Yeah.
Ya 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 ya
C'est le Seigneur qui est le roi de rien de Seigneur. Poussons des cris de joie. Acclamons le roi. Acclamons l'alpha et l'oméga. Poussons, 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 poussons des grands cris de joie pour le Seigneur. Nous allons nous asseoir en acclamant l'Éternel.
Nous bénissons l'éternel Dieu Tout-Puissant pour ce bienfait pour nous. Je ne cesserai jamais de le répéter. Pour le fait que nous puissions nous tenir en bonne santé au devant de vous, ce n'est pas de mérite, mais c'est la miséricorde. Nous saluons la miséricorde de Dieu pour nous. Voilà pourquoi pendant une minute, je vous demanderai d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je viens comme un commandant d'armée. Je viens comme un soldat. Je viens comme un commando. Parce que ton histoire doit trouver une issue ce soir. Nous avons été traînés par terre dans l'humiliation, dans les déceptions. Nous avons perdu notre personnalité. Aujourd'hui, nous voulons voir l'Éternel nous secourir. Et beaucoup d'entre nous vont vivre la restauration de leur vie ce soir. Non, tu m'entends pas. Ils vont vivre la restauration de leur vie ce soir. L'Éternel, pour agir, il n'a pas besoin de savoir tu viens d'où, combien de temps tu as fait avec ton problème. Il est celui qui ordonne et la chose. Ce soir, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La prison dans laquelle tu as été enfermé va s'écrouler. Dis à ton voisin, c'est mon jour. Vas-y encore. Encore. Très fort. Ce soir, nous allons développer dans notre intercession la délivrance de l'esprit de retard. Hier, j'ai suivi un témoignage d'une maman qui m'a vu à la fin. Elle m'a dit qu'elle priait dans une église de la place. Tout était bloqué dans sa vie et tout s'était arrêté. Et depuis qu'elle a commencé à venir ici, à conduire ses prières telles que le Seigneur nous donne des directives, elle a commencé à avoir un changement dans sa vie. Dans les services où elle travaille, elle a commencé à avoir des opportunités de bénédiction. Les chefs commencent à l'orienter là où il y a les bénédictions. Et chaque fois, elle vient, elle trouve il y a un changement, elle a l'argent, et elle a commencé à sentir le goût de vivre. Et c'est moi, elle a beaucoup prié. Ils avaient des arriérés de 3 mois. Et pendant qu'ils faisaient de très fortes prières, on a vidé ces 3 arriérés, on a payé. Elle est venue hier dans la joie. Elle dit, papa, regarde ma dîme. J'ai vu un changement dans ma vie. Ce soir, je vous annonce le changement dans votre vie. Je ne crois pas à la condamnation éternelle. Tant que Jésus-Christ est allé à la croix, il est mort à la croix, il a porté nos infirmités, je te dis que ce soir, l'œuvre de la croix va crier en ta faveur. L'œuvre de la croix va payer tout ce que le diable est en train de te réclamer.
Fais-nous, 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 fais-nous la condamnation éternelle. Si ton père a été condamné, toi tu ne le seras pas grâce à Jésus-Christ. Si ta mère a été condamnée, toi tu ne le seras pas par l'œuvre de la croix. Si le sang de ta famille a été condamné, toi tu seras libre. Toi tu porteras un autre témoignage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à cela? Si tu crois à cela, dis Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Deutéronome, chapitre 13, verset 15. Deutéronome 2, chapitre 13, verset 15. Je vais lire au nom de Jésus. Il sortit les jours suivants, et voici de Hébreu ce querellait. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit, certainement la chose est connue. Pharaon a appris ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madian où il s'arrêta près d'un puits. La parole de Dieu. Acclamez très fort la parole de Dieu. Acclamez encore très fort cette parole. Pour ceux qui étaient avec nous hier, nous vous avons enseigné sur le retard de Moïse. Et nous avons découvert beaucoup de choses dans son retard. Nous avons dit que Moïse était issu d'une famille de Lévi. Sa mère était une Lévite. Et son père a un Lévi. Dans l'ancien temps, les sacerdotes étaient héréditaires. Donc Moïse était appelé à servir Dieu. Mais qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a retiré de sa famille. Il a retiré de son éducation. Il a retiré du milieu où il devait vivre les promesses de Dieu. Et il l'a amené au palais royal. Au palais royal, c'était pour l'éloigner du plan de Dieu. C'était pour l'enfermer en prison. Et nous avons vu que lorsque Moïse a grandi, dans le verset 11 d'Exode 2, il a cherché à voir dehors. Il a voulu chercher à voir ce qui se passe en dehors du palais royal. Beaucoup d'entre nous, nous ne cherchons pas à regarder en dehors de nous. Nous devrions nous poser la question, ceux qui ont notre âge, comment ils vivent leur âge? Il faudrait regarder dans d'autres cieux. L'autre fois, je vous ai donné les témoignages d'un jeune commerçant qui était en train d'aller à Lagos, au Nigeria. Elle habitait Benin City. Il avait embarqué avec son partenaire dans l'avion. Et le serviteur de Dieu, Daosa, qui avait reçu le couple Osborne et qui devait rentrer aux États-Unis et devait prendre un avion à Benin City
et prendre une autre correspondance à Lagos. Et lorsqu'ils arrivent à l'aéroport de Benin City, l'avion était surbooké. Il y avait plein de gens, c'était rempli. Et les invités de l'homme de Dieu étaient incapables d'avoir une place. Et comme on les connaissait à Lagos, il a échangé avec le pilote qui lui dira que l'avion est surbooké, il n'y a plus de place. Il a dit, mais tous les gens qui sont dans cet avion me connaissent parce qu'ils suivent ma chaîne de télévision. Laissez-moi essayer de les convaincre s'ils peuvent nous laisser deux places pour ces serviteurs de Dieu, ces grands serviteurs de Dieu qui nous ont bénis. L'onction te donne accès à des domaines parfois qui ne t'appartiennent pas. L'onction va t'ouvrir. Lorsque tu as l'onction, tu n'es pas comme tout le monde. Voilà pourquoi je travaille tous les jours pour vous donner l'onction. Hier, j'étais en train d'enseigner à Kinshasa. Je vous avais dit que nous avons acheté un camion rapide. Et nous avons un petit problème avec le moteur qui n'est pas assez puissant pour la. Et on est contraint de chercher un autre moteur pour notre canon que nous avons acheté. Et ça fait en sorte que pour traverser ici, on demande maintenant, il faut les contrôles physiques. C'est-à-dire que pour qu'on signe le manifeste, vous devez être personnellement là. Et quand nous envoyons parfois les frères qui travaillent avec nous, on leur dit qu'il faut que le pasteur vienne lui-même ici. Et ça fait que, comme j'enseigne le matin, et je termine enseignant à Kinshasa, je viens, je suis dans l'impossibilité d'arriver là-bas tôt. J'arrive là-bas aux environs de 13h30. Et je suis contraint chaque dimanche de louer des canons rapides. Et le dimanche passé, c'est dimanche, donc hier, pendant que j'enseignais, notre ambassadeur d'ici apprend que je loue les canons rapides. Il envoie les canons rapides de l'ambassade. Il dit, allez prendre les serviteurs de Dieu pour qu'ils traversent. J'étais sur la chaire et je vois, on vient me souffler là. Et c'est quoi? Non, il dit, l'ambassadeur là-bas dit qu'il a appris que vous louez les canons rapides. Il a déjà envoyé les canons rapides qui t'attendent de l'autre côté et ses services. Donnez seulement les passeports. On a donné les passeports, on a tout fait. Quand j'ai terminé, je suis venu, tout était déjà fait et je suis entré dans les canons rapides. Je parle de l'onction. L'onction vous crée des opportunités. L'onction vous ouvre des portes qui sont fermées depuis des années. L'onction vous permet d'être au-dessus des barrières de l'ennemi. L'onction fait de vous un surhomme. Vous êtes au-dessus de la nature homme. Vous devenez un surnaturel. Faire que un homme d'État qui va faire dans l'urgence envoyer un canon rapide, aller prendre un pasteur. Un pasteur n'est pas un politicien, il n'est pas dans un parti politique, et il ne fait pas tout ça. C'est l'onction qui fait cela. Et j'aimerais que cette année, vous soyez débordés d'onction. Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Que les dimanches en 8, nous aurons un grand séminaire ici. Et ça va être un séminaire où nous allons vous déverser ce que Dieu nous a donné. C'est possible que tu reçoives l'onction du Père. C'est possible que mon onction devienne ton onction.
Et c'est le travail que je suis en train de faire, c'est pour que vous puissiez étonner votre génération. Je vous parlais de cet homme, ce commerçant. Lorsque le pasteur Idaosa entre dans l'avion, il demande, j'ai reçu des hommes de Dieu qui ont travaillé pour le Seigneur et qui ont béni notre pays, le Nigeria. Ils sont en train de partir. S'ils n'arrivent pas à voir cet avion-là dans lequel vous êtes embarqués, ils vont manquer leur correspondance de Lagos. Qui d'entre vous peut me donner deux places pour que je place ces serviteurs précieux? Et dans l'avion, il y avait des chrétiens, des païens, des musulmans. Tout le monde disait, non, mais moi, je suis déjà parti. Non, mais qu'est-ce qu'ils demandent là-bas? L'onction, parfois, demande des choses invraisemblables. Dieu cherche le respect de l'onction. Pour avoir la bénédiction, il faut respecter l'onction. Une fois, j'étais en train d'enseigner, quand j'ai commencé, j'enseignais que les séropositifs. Ma mère spirituelle m'avait donné l'intercession des malades exclusivement des séropositifs. Il n'y avait pas d'autres malades. Et ce jour-là, le Saint-Esprit me dit de demander quelque chose d'invraisemblable au malade qui était devant moi. J'ai dit au malade, aujourd'hui, celui qui veut être impacté par l'onction, celui qui veut être guéri au travers l'onction qui m'a guéri, je vais vous demander de faire une prière différente de toutes les autres. Mais quoi, papa? À l'époque, on n'avait pas d'hangar, il n'était pas de salle, on priait en plein air. C'était l'avant-midi, il faisait très chaud, il y avait un grand soleil. Et j'ai dit à tous les malades qui étaient là, j'ai dit, tournez-vous, vous allez prier couché par terre et en regardant le soleil. Alléluia. Si tu es un scientifique, tu vas dire, mais cet homme-là, il nous torture. Alléluia. Si tu es très réfléchi, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il y a à voir de la guérison en priant, en se couchant par terre, en regardant l'air? Non, Dieu pose parfois certains actes, c'est seulement pour expérimenter votre respect. Et ils se sont couchés, ils ont prié. Et j'ai dit à la fin, lorsqu'ils ont fini de prier, j'ai dit, Éternel, puisque ce peuple a respecté ce que l'onction a demandé, démontre que l'onction c'est toi. Et j'ai demandé, allez faire des contrôles. Ils sont allés faire des contrôles. Ces jours-là, nous avons eu 6 séropositifs qui ont été convertis en séronégatifs. Ils sont encore vivants aujourd'hui dans le ministère de mes parents spirituels. J'aimerais que vous acclamiez l'Éternel et vous poussiez des grands cris. Je disais, le pasteur Idaosa entre dans cet avion et demande, mais qui peut laisser sa place? Il n'y avait personne. Et au fond de l'avion, il y avait un jeune musulman, s'il vous plaît, il n'est pas chrétien. Un jeune musulman qui s'appelait Aliko Dangote. Il s'est levé, il dit à son collaborateur, laissons la place à cet homme de Dieu par respect de ce qu'il nous demande. Et il s'est mis à descendre. Au bas de l'avion, le pasteur Idaosa était impressionné. Il appelle. Il dit, jeune homme, viens. C'est aux environs des années 1990. Là, il dit, viens. Tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Aliko Dangote. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Il dit, je suis commerçant. Alléluia. Et il dit, puisque tu as laissé ta place pour honorer mes serviteurs et les serviteurs qui sont les serviteurs de Dieu, le monde s'élèvera pour toi. Et tu connaîtras les bénédictions sans limite. Et je ramène toutes les bénédictions dans ton affaire. En 1970. Plus tard, Bishop Edaosa est mort. Aujourd'hui où je vous parle, ce jeune homme d'hier est devenu l'homme le plus riche d'Afrique. Le 13e homme riche dans le monde. Aujourd'hui où je parle, aujourd'hui, au Nigeria, il est en train d'inaugurer une raffinerie d'essence. Parce que le Nigeria importe son essence. C'est-à-dire qu'il est, producteur d'essence, du pétrole, mais il ne raffine pas. Le pétrole raffiné du Nigeria vient de l'extérieur. Mais cet homme-là qu'on avait béni, il vient de doter au Nigeria sa première industrie de raffinage de pétrole. Demandez-moi à combien? Demandez-moi à quelle valeur? 20 milliards de dollars. J'ai dit 20 milliards de dollars. Cet homme qui a laissé seulement sa place, et regardez la dimension que Dieu lui donne maintenant. Regardez, le 20 milliards de dollars qu'il a investi pour sa raffinerie dépasse le budget de la RDC. Est-ce que vous comprenez ça? Ce soir, avant votre libération, je voudrais libérer l'onction d'excellence, d'exploit et de miracle. Ce soir, j'avais le frisson quand la RFI parle de Dangote qui inaugure l'industrie, la première industrie de raffinerie du Nigeria. Le Nigeria, c'est le pays le plus riche d'Afrique. Et un individu apporte ce que sa nation n'a pas à cause de l'onction. Et je dis, Éternel, qu'est-ce que nous faisons avec l'onction sur le corps? Qu'est-ce que nous faisons avec l'onction dans les enseignements? Nous voulons que l'onction apporte la différence dans notre société, dans nos affaires, dans tout ce que nous faisons. Nous avons besoin que l'onction parle, que l'onction nous distingue. Moi, j'ai vu Dieu faire des choses, mais cette dimension-là est vraiment au-delà. Un individu, soit-il, apporter quelque chose qu'un pays le plus riche d'Afrique n'a pas. On dit l'État est, comment on dit, est associé dans cette affaire. L'État n'a que 1%. Le reste, c'est Aliko Dangote. Je me connecte à la parole qui a été prononcée dans l'avion ce jour-là pour bénir cette salle. Là, je suis à l'hôtel de Dieu. Je voudrais que les finances changent. Je voudrais qu'un miracle puisse s'opérer dans cette salle. Je voudrais que les pauvres deviennent riches. Pour évangéliser, j'aimerais que les gens craignent l'évangile de Dieu. J'aimerais que le monde s'incline devant la puissance de Dieu. Si Dieu est Dieu, j'aimerais que vous preniez contact avec cet hôtel. Si tu es ici, j'aimerais que tu prennes contact avec cet hôtel. Prends ton offrande, demande à Dieu, je veux être éternel, Dieu tout-puissant, comme cet homme d'affaires. J'aimerais éternel que la parole que l'homme de Dieu est en train de dire, que cette parole impacte mes finances. Que sa parole, que cette parole impacte éternel mes affaires. Que cette parole change mon histoire. Ne dépose pas seulement, parle.
je t'oblige de parler. Quand on voit quelque chose de grand, nous nous connectons à cela. Moi, je me connecte à ces miracles. Il y a plus de 50 ans, j'aimerais que ces miracles puissent impacter cette salle. Il faut qu'il y ait une différence. Ceux qui ont suivi Dieu et ceux qui n'ont pas suivi. Que ton obéissance change tes finances. Que ton obéissance change ta vie. Père, que les nations s'élèvent pour ceux qui s'élèvent maintenant. Que leurs finances soit un témoignage pour renforcer l'incrédulité de païens. Zamboya yano la kana moto Rasala kapeka mwa Zamba pa jenu nangaro
Seigneur, j'aimerais que chacun de vous fasse cette prière. Ouvrez vos mains, vos bras comme ça. J'aimerais que tu suives cette prière. Papa Nangazana Lola, Opa Sakinga Maboko. Pona Simba, Pona Pambama, Lipambo Linyoso, Oeza na Nord, Oeza na Sud, Oeza na Est, Oeza na Ouest, Yakala Maboko Naga. Ouvre ta main. J'aimerais maintenant, Obanda Kobeta Maboko, le nombre Yabaku Yamaboko Nozobeta, c'est le nombre des années de tes bénédictions. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Soko Lingi, Ozala béni une fois. Ici, c'est l'onction qui parle. Olingo Ozala béni une fois. Beta Yambalamogo Tiki. Soko Lingo Ozala béni jusqu'à la fin des jours. Okobeta Mbalaboni. Go! Le dernier à arrêter. Qui va être le premier à arrêter? Ya 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 ya. Recevez l'or, recevez l'argent, recevez les diamants, recevez les bénédictions. Recevez. Amen.
aïe, 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 personne ne va arrêter. C'est comme un jeu. Mais vous êtes en train d'avoir la provision du ciel. C'est comme un jeu. Les nords se bousculent pour te bénir. Les suds se bousculent pour te bénir. L'est se bouscule pour te bénir. L'ouest se bouscule pour te bénir. Recevez, recevez. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Merci, nous allons nous asseoir en acclamant l'Éternel. Je voudrais également vous donner un témoignage qui me vient à l'esprit. Les vendredis et les dimanches passés à Kinshasa, et j'ai écouté un témoignage de notre sœur qui m'a beaucoup plu, parce que c'est une sœur qui est venue au ministère avec des problèmes. Elle était au chômage pendant des années, mais elle avait des myomes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle voulait un miracle. Et nous avons prié un jour sur le myome. Et qu'est-ce qui s'est passé? La main de Dieu est intervenue. Elle arrive à la maison, elle voit les myomes qui étaient dans son ventre sortis par voix basse. Mais suivez, c'était un piège de l'ennemi. Le myome sort, mais elle ne se détache pas de son intérieur. Et le myome reste entre ses jambes. Je bénis l'Éternel parce que elle nous a appelés. Elle voulait appeler une infirmière pour forcer en sortir cela. Ça allait être sa mort. Parce que les myomes sont connectés aux veines. Alors si vous ne le faites pas avec munitions, vous pouvez couper certaines veines et il va y avoir des hémorragies et puis tu peux mourir. Et lorsque nous appelle et dit, papa, j'ai un problème, les myomes sont sortis par voix basse, mais c'est condamné entre mes jambes. Dois-je appeler une infirmière? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit non. Il faut aller dans un grand hôpital. Heureusement, il s'est rendu à une grande institution médicale et c'était une intervention très sérieuse. Elle avait un problème, elle ne travaillait pas, elle n'avait pas l'argent. Elle est partie parce que nous lui avons recommandé d'aller là-bas. Et elle était en difficulté pour payer sa facture. On l'a aidée dans la mesure du possible. Et elle est sortie de l'hôpital. C'était une victoire. Mais elle était tout le temps à la prière. Son vrai problème, c'était le chômage. Elle a un diplôme, pas de travail. Mais la semaine passée, le vendredi, elle vient nous dire qu'elle a fait un concours dans une institution international, et c'est elle qui a été retenue et il a eu son travail. Je dis toujours, avec ces dieux, soyez patients et soyez convaincus qu'il vous répondra. Même si ça tarde, vous le verrez s'accomplir. Même si ça tarde, ce que tu cherches au pied de mon Dieu, tu l'auras. Acclamez le roi. Acclamez le Seigneur. Acclamez Jésus. Acclamez l'alpha et l'oméga. Acclamez l'étoile brillante du matin. Poussez, poussez les grands cris de joie. J'en viens à notre programme de ce soir. C'est la délivrance de l'esprit de retard. Je vous ai dit que Moïse devait être héritier du sacerdoce de son père. Mais le diable l'a sorti de sa famille pour l'amener dans une école. Il l'a sorti de l'héritage de ses parents pour faire de lui son prince. Et pour faire de lui son héritier. Or,
mort, le diable n'a rien. Celui qui recherche l'héritage auprès du diable, il court derrière le vent. Alléluia. La preuve en est que Moïse se retrouve héritier au palais royal et après 40 ans, il n'a rien entre ses mains. Il n'a ni argent, ni femme, ni enfant. C'est-à-dire que sa vie est en train de patauger. Il accumule des retards, comme beaucoup d'entre nous. Et nous avons étudié avec vous pourquoi nous arrivons à accumuler des retards. C'est parce que nous sommes sous l'influence d'un maître, d'un pouvoir, d'une puissance. Moïse était sous l'emprise de Pharaon. En réalité, qu'est-ce que Pharaon, qu'est-ce que le diable fait avec l'esprit de retard? Il nous retient captifs. Il ne retient pas la personne, mais il retient captif ton esprit. Et lorsque l'esprit est captif, le corps subit la captivité de l'esprit. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il captive notre esprit, il le ramène à l'état animal. Est-ce que vous me suivez? Il captive ton esprit et ramène ton esprit à l'état animal. Et c'est à lui de donner l'orientation de cette animalité. Nous avons vu qu'il y a des gens qui sont esclaves cheval. On t'amène dans l'état du cheval. Le cheval, nous avons dit, c'est un animal qui est géré avec des fouets, comme les enfants d'Israël l'étaient en Égypte. Pour que tu avances, il faut qu'on te fouette. Le cheval ne prend pas sa direction librement. C'est le maître qui est au-dessus de lui qui le frappe afin qu'il prenne la direction que lui l'impose. Beaucoup d'entre vous, nos vies ont pris les directions que le maître qui nous gère nous impose. Vous allez voir, dans la sorcellerie, tu as un choix devant toi. Il faut que tu puisses faire le choix d'un homme ou soit d'une femme. La sorcellerie va te pousser à choisir celle ou celui qui va te détruire. Il y a des gens qu'on a demandé la main. Tu vas voir un jeune homme qui a son diplôme, mais qui n'a rien. Il a encore des babouches aux pieds. Il vient et dit, mais je veux t'épouser. Mais il a son diplôme. Tu le regardes, tu dis, mais toi tu es minable, moi qu'est-ce que je vais faire avec toi? Tu n'as pas de maison, tu n'as rien du tout. Toi, ton regard est sur celui-là qui a un véhicule. Et pourtant, celui qui a un véhicule, c'est un agent de destruction de l'ennemi. Et le monde des ténèbres va t'envoyer dans cette direction. Et depuis que tu es allé avec ces messieurs, parfois au bout de 2 ans, 3 ans, tu as divorcé, mais avec 4 enfants. Ça change même ta configuration. Alléluia. Et parfois tu es parti là-bas, malgré tout ce que tu vois, l'opulence que tu vois, ça ne t'appartient pas, ça lui appartient et sa famille. Il y a des gens qui donnent tout à leur famille, mais parfois la femme n'a rien. Il y a des gens qui vivent le mariage comme des chevaux, comme des esclaves. Il est là à préparer matin, midi, soir pour toi, monsieur. Il est là à te donner des enfants. Vous connaissez, l'accouchement, c'est un exercice entre la vie et la mort. Porter un enfant 9 mois dans son ventre, c'est un exercice qu'un homme ne peut jamais faire. Si Dieu pouvait essayer de nous mettre sur cette piste-là, beaucoup d'hommes renonceraient à avoir d'enfants. Il n'y a que la femme qui peut supporter 9 mois. Il y a des malaises, c'est-à-dire c'est un corps étranger qui vient en toi. Et toi, tu portes cet enfant pendant 9 mois.
Et lorsque l'enfant naît, très souvent nous voyons les hommes s'approprier les enfants. Il dit, c'est mon enfant. Si tu joues, je vais te chasser et je garde mes enfants. Alléluia. Beaucoup d'enfants sont manipulés par la sorcellerie et ils oublient leur maman. Il y a des enfants qui sont incapables d'apporter même un pagne à sa mère. Il y a des enfants qui sont incapables, à la fin du mois, d'apporter même un sac de riz à celle qui les a apportés pendant 9 mois. L'esprit de cheval, c'est l'esprit d'esclave. Et vous allez voir, il y en a qui ont accouché par césarienne. Vous avez connu la césarienne. Mais un matin, l'enfant que tu as porté t'insulte et dit que tu es une sorcière. Il y a des gens qui manipulent parfois ceux qui sont sortis de tes entrailles pour te haïr. C'est l'esprit de cheval. Beaucoup de gens travaillent, mais ils n'arrivent pas à voir le fruit de leur travail. Il y a des gens qui se sont investis dans leurs neveux, dans leurs cousins, même dans leurs amis. Ils se sont investis. Une fois que ces gens-là ont atteint un certain niveau, ils vous tournent le dos. Ils ne se souviennent jamais de vous. Beaucoup de gens sont abandonnés alors que ils se sont tracassés pour la réussite des autres. Combien de gens sont déçus dans la vie? Vous avez commencé jeune, votre union. Parfois, ton mari était à l'école. Pendant que toi, tu vendais les beignets, tu vendais les arachides. Et il termine les études, il dit non, tu es vieille pour lui. Il va aller chercher une jeune fille qui ne connaît pas la souffrance que tu as payée. Cela arrive lorsque l'ennemi t'a amené dans l'état naturel. Dans l'état animal, il fait de toi un cheval. Le cheval, on ne lui donne que peu de choses pour son énergie. Mais le reste, il le fait pour le maître. Ce soir, tous ceux qui se sont proclamés maîtres de ta vie, tous ceux qui t'ont fait travailler sans te payer, ce soir, nous voulons amener leur cas devant l'Éternel. Je suis en train de dire, nous avons les amenés devant le tribunal de l'Éternel. Ce soir, je vais vous donner un verset. Lorsque nous allons nous mettre à exposer tout ce cas, je vais vous donner un verset. C'est le psaume 50 au verset 15. C'est ce psaume avec lequel nous allons prier ce soir. Psaume 50. Psaume 50. On peut lire pour moi? Le psaume 50. Verset 15. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai. Et tu me glorifieras, parole du Seigneur. Réponds encore. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras, parole du Seigneur. Encore. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Et tu me glorifieras, parole du Seigneur. Nous exposons notre problème. L'ennemi dans notre captivité acclamez les seigneurs, ceux qui sont à l'extérieur sont dans le noir. Si on peut regarder rapidement, acclamez très fort. On a touché à
Acclamez le roi de rois, acclamez l'alpha et l'oméga, acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Poussez de grands cris de joie pour le Seigneur. N'arrêtez pas, continuez à acclamer, à pousser des grands cris pour le Seigneur. Poussez, 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 poussez. Acclamez, acclamez, acclamez. Est-ce que le bas fleuve? Est-ce que vous entendez là-bas? Vous n'êtes que dans le noir, mais vous entendez? Nous acclamons très fort. Lorsque l'ennemi nous amène en captivité, il tient captif notre esprit. La force de l'homme, c'est son esprit. Mais l'ennemi te fragilise en confisquant ton esprit, en rabaissant ton esprit. Au lieu que ton esprit demeure élevé dans le spirituel, dans l'animal. Et très souvent, il nous fait rassembler aux animaux. Il nous fait rassembler quand il t'emmène dans l'esclavage de cheval. Ça veut dire que tu travailles, mais tu n'as pas le fruit de ton travail. Il y a des gens qui se dépensent, mais qui sont incapables de vivre le fruit de leur travail. Il y en a qui se dépensent au travail. Ils donnent le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Mais on récompense les autres parce que tu as le statut de cheval. Il y en a qui vont marcher depuis 4 heures du matin, 5 heures. À la fin de la journée, il n'a rien. Mais il y a d'autres qui ne font pas d'efforts. Il n'a même pas fait d'efforts. Il est béni plus que toi qui fais plus d'efforts. Il faudrait que l'esprit de cheval nous quitte pour que nous puissions entrer en possession de notre droit. Il faut se révolter. Il faut se révolter des maîtres qui nous condamnent. Il faut nous révolter. Il faut dire, Ngaïna Kosamoumbu Yamoto, j'aimerais que tu lèves tes mains. Tu vas dire, Nakosala Moumbu Yamoto. Yo Satana! Yo Kamongongo Naga! Yo Kamongongo Nangai! Nazali Punda Nayote! Nazali Punda Nayote! Psaume 50, verset 15 dit: dans notre détresse, au jour de notre détresse, invoque l'Éternel. Et il dit, il va te délivrer. Devant la nature, il y a esclavage, il y a cheval. Oh, babé, t'as gabisso fimbo. Babé, ma gabisso la direction est fou, t'as gabisso pé. Nous travaillons sans résultat. Ton côté libala, ton bota kate, ton boti bana, bala bakan sa gabisso pé. Nalingi, au ganga, et pas à Yesu. Oh, belle là, on invoque Yesu. J'aimerais que là où tu es, invoque ganga, Jésus. Kokatate, kokatate. Écoutez, écoutez, Awa, nous nous révoltons. Nous avons étudié, c'est pour que tu comme un bateau. Mais comment te tangi, te silici, mais toujours comme un bateau. Comment se fait-il? Toujours kobunda, toujours sala, mais toujours zambumate. Ça veut dire l'ennemi a changé notre statut.
Nous avons été créés à l'image de Dieu. Nalingito invoqué. Le psaume 50 à l'obinabiso, invoquer l'Éternel au jour de notre détresse. Nous sommes en détresse. Toujours mon aloboko azambete. Yango komanda ko ganga Jésus ko katate écrit Jésus. Go! Seigneur Jésus, délivre-moi. Seigneur Jésus, délivre-moi. Allez, banda encore quatre basinga nyoso. Oye sali bosso na yo, osa punda te. Banda encore quatre. Osa kokata basinga. Yoza punda te, bakoki ko benda benda yote, kada singa, singa wale katana, e katana, okoba libre, ozo kata basinga, ozo kata basinga, singa oba benda kayo, na direction bongo balingi, lelo zo katama, lelo zo katama, banda ko kata yango, banda ko kata yango, e katama, singa katama, au nom de Jésus, kata singa wana. Mata la prière, mata, kata yango, kata yango, ozo tomboka, ozo tomboka, oumeli mingi, bakali basinga, na makolo na maboko, bakomisi animale, ozo yebe loko isusu te, lelo comprendre, awa la comprendre, na zo kata basinga wana, basinga zo kata na, basinga zo kata na, oye benda kanga, oye sese wana misale ya pamba, Nazokatayango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Basinga Katama, Basinga Katama, et Katama la Kombola Yesu, Singa Obasa et Sagomi Sala Pamba, Salero Zokate, Katayango. Amen. Amen. Oko Kende Kolongola, et Lambanyoso, Yanati esclave, sous forme de cheval, Nanzotonayo. Okoloba naza punda ya moto te. Elamba nyoso ya kipunda o malati singai na sali saka na memaka menga moko na futa mate e pasuka ona au nom de Jésus, et la balance au malati sanga, yakipunda, na memaka bato, na simara bato, kai moro la beneficiete, na zo pasole la ba, et la ba wane zo pasuka, et la ba wane zo pasuka, osole la ba roko sa y sera misala, lelo na boya mo, na pasoli la ba, na pasoli la ba, et la ba ya punda, o la balati sanga, o ba sal sera misala, na kosa la mosala motote, et la Pasuka, na pasoli yango, au nom de Jésus, et la main pasuka, et la main yon sa balati sanga, et ta moussaka mami kolonyoso, na sale la kamambo, na kati yango, na pasoli yango, au nom de Jésus, au nom de Jésus, pasole yango, pasole yango, et pasuka, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et la main yon oumeli, le lozo pasuka, le lozo Jésus, au nom de Jésus, et la mort au Pasuka, et même la macambo belé, au comaco tamola tamola, maman de malade, c'est la mort, au comaco de maman partout, les os au boya, aux oboya en gros, aux opasole en gros, aux opasuka, aux opasuka, et la mort des opasuka, soit décision, les lois pasuka, et tikayo, et tikayo, et tikayo, au meli lango, tamo molaï na même. Amen. Okofanda obeteli Yesu maboko. Suivez-moi attentivement. Là, on a vu un aspect de l'esclavage de Pharaon.
Il y a un autre aspect, c'est la nature de chat. Il y a des gens qui sont ramenés dans la nature de chat. Le chat, c'est la perversion sexuelle. Il y a des gens, et kokozala bomoinayo, et kokozala mobalinayo, et kokozala bananayo, il y a des gens qui ne se contiennent pas. Tout tourne autour de la perversion sexuelle. Ils sont capables de sortir avec leurs travailleurs, même les bonnes à la maison. Ils sont capables de faire l'inceste. Et nous devons savoir que l'inceste est une condamnation à la mort. À mort dans la Bible. La Bible dit tous ceux qui sont condamnés dans l'inceste doivent être punis de mort. Doivent être extraits du peuple. Yango Komona, beaucoup de gens disent que leur vie s'est arrêtée, c'est parce qu'ils ont connu l'inceste dans leur vie. L'inceste a des conséquences illimitées dans le temps. L'inceste que tu as posé à 10 ans, ça peut te combattre à 80 ans. L'inceste va ruiner ta vie. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que lorsque tu vis l'inceste, ta part est comme la part du chien. Parce que c'est le chien qui vit dans l'inceste. Le chien peut prendre les chiots, il peut prendre son enfant, il peut prendre. Et ça ne pose pas de problème. Les chiens peuvent s'accoupler partout. Parce que c'est une perversion dans leur nature. Et nous devons chasser cette nature. Parce qu'elle a une conséquence. Le chien est un travailleur. Si vous avez un chien, quand vous allez à la chasse, c'est lui qui fait le gros du travail. Il arrive à cibler le gibier, parfois à les attraper pour toi. Mais c'est lui qui consomme ce gibier, c'est le maître. Beaucoup d'entre nous, le diable fait de nous de chiens pour que nous puissions attraper de proie pour lui. Mais en récompense, il ne nous donne rien. Lorsque ta vie, tu travailles et que les autres s'enrichissent et toi tu n'as rien, c'est que tu as la nature du chien. Lorsque dans ta vie, les hommes qui viennent vers toi, ils ne viennent pas te demander un mariage, c'est seulement pour les plaisirs de la chair, tu as la nature de chien. Les actes sexuels sont réservés dans le mariage. C'est ça la Bible. Si tu te dis, non, c'est un copain, pour que je le garde, il faut que je... Tu es un chien, tu es une chienne. Ce sont les chiens qui n'ont pas de loi sur la sexualité. Mais les enfants de Dieu ont une loi. Même si cet homme te dit qu'il va t'épouser, tu ne livres pas ton corps. Ton corps est sacré. Il est réservé à ton mari. Pas à ton copain, à ton mari. Le chien, l'esprit des chiens nous conduit à la perversion. Vous allez voir que votre vie, vous ne vivez que de miettes. Il y a un verset dans la Bible qui dit, Jésus dit, que vous n'avez pas droit au repas des enfants. Mais la personne qui était devant Jésus dit, même les chiens viennent manger les miettes qui tombent de la table. La récompense de ceux qui ont la nature de chien, ce sont les miettes. Ce soir, nous allons nous révolter des miettes. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu pour recevoir que des miettes. Notre Père, qui est l'Éternel,
c'est lui qui détient toutes les richesses de ce monde. Comment se fait-il que nous ne vivons qu'avec des miettes? Regarde ta vie. Jamais tu n'as été béni convenablement. Talabo moinayo. Il y a des autres on est incapable d'être bénis comme les autres. Qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi les autres arrivent à acheter, arrivent à de grandes choses et on est incapable d'arriver à cela? La nature du chat. La Bible nous dit ce soir, dans notre détresse, le jour de notre détresse, invoquons l'Éternel, il nous délivrera. Boutou ya lelo, yomoto, osako vivre la condamnation de chien, nalingi o telema, okobelela, kombo ya Yesu, oso ganga, kokatate, ganga, 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 j'ai! Écoutez, asseyez-vous une minute. L'identité du chien est ponctuée par la prostitution et par l'impudicité. Et l'impudicité et la prostitution appellent à la pauvreté. Regardez, tous ceux qui se prostituent ne sont jamais riches. Tous ceux qui abandonnent leur foyer pour aller poser des actes que la Bible ne leur permet pas, ils s'appauvrissent. La nature du chien, c'est cette nature qui fait en sorte que pour toute ta vie, tu ne reçois que des miettes. Aujourd'hui, nous avons commencé notre programme en nous connectant à l'onction de la richesse. Mais cette onction de richesse ne pourrait fleurir que si tu détruis la nature du chien en toi. Le chien vagabonde. Regarde ta vie. Tu as changé combien de partenaires? L'année passée, tu avais qui? Le mois de décembre, qui était avec toi? Aujourd'hui, qui est avec toi? Lorsque tu as la nature de chien, tu ne vois pas. Parce que ton intelligence est obscurcie. Tu es ramené à l'état animal. Aller voir quelqu'un poser des actes, tu t'étonnes, tu dis mais comment il fait ça? Mais il ne voit pas, son esprit est captif. La personne est amenée à l'état animal. Voilà pourquoi vous allez voir un monsieur, un directeur, il est élevé au travail, mais il va aller très loin là-bas à Kintele, je ne sais pas si c'est où là-bas, dans une petite bicoque, en train de chercher des petites filles qui peuvent être ses enfants. Alléluia. Il laisse sa maison en or et tout ça. Il va dans la rue. Chez lui, on le respecte. Mais là-bas, on l'appelle. On l'appelle comment? Devant tes enfants, devant ta femme, tu es dur comme du roc. Mais là-bas, on te tire les oreilles, on te tire la barbe. Honte à toi.
On te confisque la clé, on dit donne ça ici, tu ne pars pas. Et Dieu a dit, excuse-moi, je vais t'amener un cadeau demain. Mais devant ta femme, hé hey, Bernadette, je n'aime pas ça, Bernadette. La sorcellerie. Molly moi en bois. En bois. Pima. 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 Allez, Banda, copain galant. Bonjour, Tomoka. Ya, ba, ba, bo. Et ta chapa, bo. Ya, ma, ba, 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 bo. Et ta chapa, bo. Ya, ba, 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 bo. Ya, ba, ta chapa, bo. Abima Kende, Abima Kende, Moli Mwamboa Bima, Bima Kende, au nom de Jésus, Naboyo, Okota Moussari Soussouté, Okote Risangate, Okome Mangala Pudicité, Okome Mangala Katia Sassete, Bima, au nom de Jésus, Moli Mwamboa Zobima, Bandako Bimisaya Kende, Atikayo, Atikayo, Abima. Abima Kende, Akomisa Soba, Asilisa Mayele, Kota Musata Musayo, Nakacha Pidicite, Nakacha Pirate, Nakacha Bodumba, Nafaka Bodasha, Nelo Azobima, Azobima, Azobima Zakende, Moli Mwamboa Bima, Moli Mwamboa Bima, Bima Kende, Bima Kende, Bima Kende, Tikanga, Tikanga, Loba Tikayo, Atikayo, Atikayo. Jésus, au nom de Jésus, les lois sont tirées, les lois sont bima, les lois sont bima, Molimwamboa Kende, Kende, Bima Kende, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Ame Makaona Porte Porte, Ame Makaona Via Salite, Opona Kassika Rokotate, Nakachina Bondumba, Okoma Inutile, Osamo Toi Valeur, Massini Sayo Valeur, les lois sont tirées, les lois sont bima. Amen. Assoyez-vous. Aujourd'hui, c'est un jour de délivrance. Toute personne qui est sous l'influence de l'impudicité, toute personne qui vit et qui partage l'acte sexuel alors qu'il n'est pas marié, tu vis dans une prostitution voilée. Il faut que je te dise ça. Si Jésus vient aujourd'hui, tu pars en enfer. Si Jésus vient aujourd'hui, il te trouve dans cet état où le monde dit, ah mais ils vivent en couple. Non, vous ne vivez pas en couple. Vous avez organisé votre prostitution. Tout celui, toute celle-là qui aujourd'hui vit encore sous l'influence de l'impudicité, je vais prier pour vous. N'aie pas honte. Ces choses-là n'arrivent pas tous les jours. Si tu penses que tu es concerné, tu vas t'élever. Si tu es ici, tu penses que tu es concerné, tu vas t'élever. Que le Seigneur te bénisse. Tu ne t'es pas levé en spectacle. Tu t'es levé parce que tu veux la délivrance. Vous allez passer comme ça derrière et vous viendrez comme ça. Et je vais prier pour chacun de vous. Moi qui vous enseigne, je viens du monde. Doucement, écoutez doucement. Vous êtes très nombreux. Il faudrait laissez-moi vous prier. Vous allez sortir par là. Amen. J'annule toute influence et toute captivité de l'impudicité au nom de Jésus. J'annule toute influence et captivité de l'impudicité au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule l'impudicité 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 au nom de Jésus. Allez-y vite. J'annule l'impudicité au nom de Jésus. Jésus, j'annule l'impudicité au nom de Jésus, j'annule l'impudicité au nom de Jésus, j'annule l'impudicité.
J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. Allez-y vite, on n'a pas assez de temps. J'annule au nom de Jésus. J'annule au nom de Jésus. J'annule la publicité au nom de Jésus. J'annule 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 au nom de Jésus. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Allez-y vite, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, 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 soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, allez-y vite, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, 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 allez-y vite, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, 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 soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, 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 soyez libre au nom de Jésus, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, soyez libre, soyez libre au nom de Jésus, 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 allez-y vite, soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus, soyez libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre. Soyez libre au nom de Jésus. Soyez libre au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. J'aimerais vous dire une chose. La publicité, c'est l'un des péchés qui vide ta destinée. Beaucoup de gens sont dépouillés parce que ils ont pris la nature du chat. Je vais vous donner le secret de prospérer en Dieu ou en Jésus-Christ. J'ai appris au pied de mes parents spirituels que la crainte de Dieu est le socle de l'élévation. Moi, depuis que j'ai rencontré Dieu au pied de mes parents spirituels, depuis que j'ai commencé ma nouvelle vie en Jésus, depuis que je me suis marié, je ne suis jamais tombé dans l'impudicité. Non pas parce que je crains les hommes, mais parce que je ne veux pas perdre ce que Dieu m'a donné. Et c'est cela qui fait en sorte que l'Éternel s'investisse dans ma vie. Que ce soit dans mes affaires. Mes affaires sont très prospères. Que ce soit dans la maison de Dieu. La maison de Dieu est prospère.
La crainte de Dieu, c'est la voie de la prospérité. Voilà pourquoi, à cette occasion, j'aimerais que ceux qui vivent en union sans mariage, ceux qui sont fiancés mais qui confondent les fiançailles au mariage, ceux qui continuent à se prostituer, pendant le 8e anniversaire, on va organiser des mariages ici. Ça sera des mariages toutes catégories. Ceux qui cohabitent depuis 20 ans, 10 ans, vous allez régulariser. Les nouveaux fiancés, vous allez vous marier. Il faut sortir du péché de la prostitution, c'est pour voir les promesses de Dieu s'accomplir. Je ne vous mentirai jamais. Tant que vous continuez à vivre dans le péché, dites au revoir aux bénédictions de Dieu. Dieu n'est pas aveugle, il faut que je vous dise ça. Ne dites pas, le pasteur a l'onction, quand il va prier, Dieu va répondre non. Dieu est incapable d'agir là où règne le péché. Et là, c'est une opportunité. Au mois d'août, ça va être le premier. On va trouver une date pendant cette période pour que nous puissions organiser des mariages au milieu de nous. Acclamez très fort l'Éternel. Acclamez le roi des rois. Acclamez l'alpha et l'oméga. Pourquoi nous organisons les mariages? C'est pour vous sortir de la nature de chien. Lorsque vous avez la nature de chien, tout ce que vous apportez à Dieu est abomination. C'est malheureux que je vous dise ça. Même votre prière est abomination. Je vais vous donner un verset. Prenez rapidement Deutéronome, chapitre 23 au 18e verset. Deutéronome chapitre 23, verset 18. Lisons la parole de Dieu. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu les salaires d'une prostituée, ni le prix d'un chien pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu, parole du Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Lorsque tu es dans la prostitution, dans l'impudicité, dans la nature du chien, tout ce qui sort de toi est en abomination. J'aimerais à partir de ce soir que nous puissions prendre la décision de ne pas tomber dans ces impuretés. Tu as un copain, tu as une copine, tu dis, nous arrêtons là. Préparons-nous au mariage par crainte de l'Éternel. Je vais soigner mon statut devant Dieu. J'aimerais que les offrandes que tu apportes te payent. Que les offrandes que tu apportes créent un miracle sur ta vie. Je ne voudrais pas que l'Éternel les prenne en abomination. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous voulez voir la main de Dieu? Craignez Dieu. Dieu n'est pas compliqué. Il ne te demande pas de te rouler par terre. Il ne te demande pas de monter sur la toiture. Mais il te dit, crains-le. Là, il parle de l'impudicité, de la prostitution et de la nature de chien. Amen. Acclamez le roi. La troisième nature à
animal, c'est le porc. Ngoulou. Loba le porc. Loba ngoulou. Loba, est-ce que vous allez ngoulou? Oui, bien, si kangoulou a fandaka. Acclamez le Seigneur. Lorsque le diable ou Pharaon nous amène dans la captivité, il nous ramène dans la nature animale. La nature animale, c'est une bassesse. Si l'homme quitte sa nature d'homme et devient animal, ça veut dire qu'il est rabaissé. Alléluia. Mais regardez le porc. Le porc, c'est tout ce qui est impur. Il y a beaucoup de gens entre nous qui sont des esclaves dans la dimension du porc. Leur vie, c'est dans l'impureté. Parmi nous, ici, il y a des gens qui ont opté pour vivre rien que dans l'impureté. Il y a au milieu de nous des gens qui disent, dorénavant, moi, je prends l'alcool, je prends la cigarette. C'est une impureté. Ces choses détruisent ta vie. Et au milieu de nous, il y a des gens qui arrêtent de fumer quand ils sont dans la maison de Dieu, mais lorsqu'ils sortent d'ici, ils fument. Ils prennent l'alcool. Et il y a au milieu de nous une catégorie de gens qui sont amis aux féticheurs. C'est l'impureté. Tu es malade, au lieu de voir la médecine conventionnelle, vous allez à la traditionnelle. À la traditionnelle, on invoque des dieux qui ne sont pas les dieux de la Bible. Ils disent Nzambe motape singaye me Nzambe nini. Alléluia. Alléluia. Il y a une sœur ici. Il priait dans une église. On appelle, elle m'a écrit, comment on appelle ça encore, le zolo, comment? Voilà. Et là, son père est mort. Et le petit frère de son père veut prendre sa mère. Sa mère dit non, je lui ai dit, mais si tu me refuses, tu vas voir. Ou soit, suis-moi là-bas, le Zolo. Bon, je ne connais pas le Zolo. Si les gens du Zolo sont là, moi, j'ai lu ça, c'est moi, je ne connais pas. Alléluia. La maman dit, j'ai découvert l'église de réveil, je ne pars pas. Il dit, puisque tu ne pars pas, tu verras. Et la maman va faire la maladie. Sucre, maladie, matin, midi, soir, et elle meurt. Et les filles, les enfants restent orphelins de père et de mère. Et leur vie est bloquée, fermée, condamnée. On leur dit qu'il faut rentrer là-bas. Pourquoi? Parce que vous avez été connecté à l'impureté. Cette sœur est là. La sœur qui a écrit là, elle est là. Elle est là dans la salle, non? Elle n'est pas là. Je voulais prier pour elle. Elle dit, tout ce qu'elle fait ne réussit pas. Elle est dehors. Viens, je vais prier pour toi. J'ai lu tout. C'est toi. Au début, elle faisait, je ne savais pas que c'est toi. Elle faisait des crises, presque des folies. C'est ici qu'elle elle s'est stabilisée. J'ai beaucoup prié pour elle ici, mais je ne savais pas que c'est elle qui avait écrit. C'est toi qui as écrit? Viens ici. Mets-toi là.
C'est-à-dire qu'elle est attaquée par les esprits pour qu'elle devienne folle. Cette sœur que vous voyez là. J'ai continué à l'observer sans la connaître. Mais ce que j'ai remarqué depuis que nous avons prié, j'ai prié pour elle plus près de 5-6 fois. Et j'ai vu qu'elle est en train de se stabiliser. Je la regarde, elle n'avait pas le visage que vous voyez là. Son regard était tendu, vous sentez que c'est quelqu'un qui a un problème de nerfs. Prends tes deux mains, mets-les sur ton ventre. Tiens très fort, ouvre ta bouche, regarde vers le haut, ferme tes yeux, ouvre la bouche grandement. Non, je dis tiens seulement tes mains. Tiens fort tes mains, ouvre ta bouche, c'est tout ce que je te demande. Et tous les esprits de réclamation, je les ordonne maintenant, au nom de Jésus, de te libérer, que ça sorte, au nom de Jésus, libérez cette fille. Acclamez l'Éternel. Acclamez Jésus-Christ de Nazareth. Poussez des grands cris de joie pour l'Éternel. Acclamez très fort. L'esprit des porcs vous envoie à la folie. Personne qui souffre de la folie ou qui est oppressé vers la folie, si tu es dans la salle, viens. Toute personne. Venez rapidement.
louer l'Éternel. Que cette fille vive au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur. Pembe ni samolidi, sembora.
Excusez-moi, on n'aura pas le temps pour tout le monde. Venez, approchez. Je vais vous toucher seulement. On n'aura pas le temps. On a un grand programme. On priera pour tous ces camps à la semaine de l'onction parentale. Soyez libre, 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 soyez libre. Acclamez le Seigneur. Sors de ce corps, sors, sors, sors de ce corps, sors, sors de ce corps. Toi, esprit de serpent, je t'ordonne maintenant, au nom de Jésus, au tachakariobo, yababa, au tachenobo, au yanata sekorio, yaba, tachakario, et abao, et ton sekor yaba. Et sors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Esprit de folie, sors de ce corps. Ce n'est pas ton adresse. Je t'intime l'ordre, sors. Au nom de Jésus. Acclamez le roi. L'esprit de porc communique avec la folie, c'est l'impureté. Si vous lisez la Bible, il y avait un fou dans la ville de Gadara. Lorsque Jésus est venu chasser les esprits qui étaient en lui, les esprits ont préféré aller, ont demandé qu'ils pouvaient mieux vivre dans les ports. Et lorsque vous avez l'esprit des ports, c'est l'esprit d'impureté. Vous êtes impur dans tous les domaines. Nous n'avons pas assez de temps. Et lorsque nous prions sur l'esprit d'impureté, j'ai vu beaucoup de fous guérir dans les assemblées que nous avons. Si vous regardez dans notre chaîne de télévision, nous avons des fous enchaînés qui viennent, nous prions et ils se relèvent et ils reprennent leurs facultés. On n'a pas assez de temps, on n'a pas fini les programmes. On priera pour tous ces cas. Les dimanches en 8. Où nous allons prier pour tous ceux qui sont malades, qui sont atteints de folie. Mais dans l'impureté, lorsque nous faisons la délivrance sur l'esprit de porc, il y a également des gens qui vivent dans l'homosexualité, lesbianisme, homosexualité. C'est une forme de porcherie, une forme de condamnation. Si tu es ici, tu ne faut pas avoir honte. Je vais vous donner un verset dans le livre de Lévitique, chapitre 18, au verset 22. Et puis Lévitique 20, au verset 13. Écoutez ce que la Bible dit. Lévitique chapitre 18 verset 22. La Bible dit ceci: tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination, parole du Seigneur. Verset 20 et chapitre 20 verset 13. Lévitique chapitre 20 verset 13, la Bible dit ceci: si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux, parole du Seigneur. Tout celui qui se livre à l'homosexualité, ne suivez pas ce qui s'est dit aujourd'hui. Où les nations, les gouvernements permettent cela. Nous, nous suivons ce que la Bible nous dit. La Bible dit que si vous posez ces actes, vous êtes en abomination. Ce n'est pas les sorciers ou les diables qui vont te tuer, mais c'est la parole de Dieu qui va te tuer. Je n'aimerais pas que la mort soit sur toi.
toute personne qui se livre à l'homosexualité, au lesbianisme, si tu es ici maintenant, Dieu m'a mis ce soir pour prier pour toi. Tu vas t'élever et tu vas venir. N'aie pas honte. N'aie pas honte. J'aimerais que tu viennes rapidement, tu t'élèves et on va prier pour toi. Des occasions comme ça n'arrivent pas tous les jours. Tous les jours, ces occasions n'arrivent pas. Si cette occasion arrive, c'est parce que le Seigneur veut te donner une chance. J'aimerais pas que tu le regrettes demain. Et le Seigneur me dit, il y a des personnes de cette nature dans cette salle, là. Il y a des personnes de cette nature dans cette salle. La parole de Dieu ne sort pas pour rien. Puisque tu es là, viens, lève-toi, n'aie pas honte. Santé. J'attends. Tu es là, viens, viens. Je ne veux pas insister. L'Éternel veut te sortir de cette emprise. Le Seigneur veut te donner une nouvelle direction. Puisque tu es là, viens. Je t'attends, je ne vais pas continuer. Le Saint-Esprit me dit, tu es là, dans cette salle, c'est à toi que je parle. Le Saint-Esprit ne trompe pas, il ne ment pas. Voilà pourquoi je t'attends. Fais vite, viens. J'ai arrêté la prière pour les gens qui souffraient de la folie. C'est pour que je prie pour toi. Il est là? La personne est là? Il ne veut pas se lever? Je t'attends. J'insiste, je t'attends. Elle est là? Elle est où cette personne? Je l'attends. Fais vite, je t'attends. Le Saint-Esprit me dit, tu es là. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Je vais compter jusqu'à 5. Si tu ne t'élèves pas, moi j'aurai fait mon travail. Mais c'est que je sais, l'Éternel a pris une option pour ta vie. Et cette occasion n'arrivera pas tous les jours. 1, 2, 3, 4 et 5. Acclamez l'Éternel. Acclamez l'Éternel. L'impureté ou l'esprit de porc, c'est également les mariages de nuit. Si l'ennemi s'accouple avec toi dans la nuit, tu ne verras pas Dieu. Parce que la Bible dit, en vérité, l'homme c'est l'esprit. Si ton esprit est en prostitution, c'est que c'est ta personne qui est en prostitution. Et les maris de nuit, les femmes de nuit, sont des éléments qui apportent la pauvreté. Amen. Toute personne qui est visitée par les maris et les femmes de nuit, j'aimerais là où tu étends tes mains sur ma direction. On n'a pas assez de temps. Tout celui qui est visité par des maris et des femmes de nuit, mettez vos mains sur ma direction. Les maris de nuit, c'est le diable qui contrôle nuit. Il t'impose une vie alors que tu es censé te reposer. Puisque le diable contrôle ta vie, ton esprit, il t'appauvrit.
Et tous ceux qui voient des maris de nuit ont des problèmes dans leur vie. Maintenant là, je vais prier pour détruire l'influence et tout mariage de nuit. Mets tes mains sur ma direction. J'aimerais impacter tes mains de l'Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, je libère l'onction sur ces mains. Je communique ta présence sur ces mains levées. Chaque personne qui a levé ses mains a besoin de ta présence. Il se bat contre les esprits qui les maintiennent captifs dans un mariage qu'il n'a pas voulu, qu'on ne l'a pas demandé. Maintenant, Saint-Esprit, manifeste ta présence sur chacune des mains qui est levée. Prends maintenant tes deux mains. J'aimerais que tu deviennes, regarde-moi ici, j'aimerais que tu deviennes le médecin de ton corps. Prends tes deux mains. Tu vas les placer sur ton nombril, sur tes habits. Les nombrils annoncent d'où tu viens et où tu vas. Les mains que tu poses, ce sont des mains qui sont remplies de la présence de Dieu. Les mains que tu poses sur ton nombril, ces mains viennent marquer l'opposition spirituelle sur la bataille spirituelle qui est engagée contre toi dans les mariages de nuit. Tiens fort ton ventre, ouvre grandement ta bouche, regarde vers le haut. Quand je vais souffler, il y a des gens qui vont commencer à tousser. Il y en a d'autres qui vont commencer à vomir. Il y a même d'autres qui vont pousser des grands cris. Tiens fort ton ventre. Élève ta tête vers le haut. Ouvre ta bouche à 90 degrés. Ouvre vraiment grandement. Je te libère maintenant de l'esprit de mariage de nuit, mari et femme de nuit. J'ordonne au nom de Jésus que tout mariage de nuit soit rompu. Onction de Dieu, détruis les liens de mariage de nuit maintenant au nom de Jésus. Ouvre seulement ta bouche, tiens fort sur ton ventre. J'ordonne à toute force spirituelle qui agit sur ton ventre de te libérer maintenant au nom de Jésus. Yangwana ezomata. Yangwana ezobima. Yangwana ezomata. J'ordonne force nyonso o esangisio na ba esprit esangisio na ba mari de nuit na ba femme de nuit na lobi ebima ekende. Ebima ekende. Simba, Simba makasi. Fungola ka monoko na yo. J'ordonne au nom de Jésus, mari de nuit, femme de nuit, sors. Sors. Nyonso oye kota po sangisa yo na ba esprit na pese mitindo ebima ekende au nom de Jésus.
ordonne au nom de Jésus. Corps étranger nyonso, mariage de nuit nyonso, ebima ekende, ebima ekende, Jean, ebima ekende, ebima ekende. Mariage de nuit. Les balagnons sont à bout. La pression mitindo. Bima. Tenez. Acclamez-nous. Si on avait assez de temps, on allait approfondir ces prières. Ce sont des prières qui s'attaquent aux racines du mal. Et vous allez voir beaucoup de changements dans votre vie. Mais il y a un aspect que nous n'avons pas touché. Ce sont des prisons spirituelles. Le palais de Pharaon était une prison pour Moïse. Et demain, mardi matin, de 6h à 8h, nous allons passer ces moments à détruire les prisons des pharaons. Là où on a changé notre nature. Nous qui étions voués au sacerdoce, on fait de nous des héritiers des pharaons. Nous qui devions être riches, on fait de nous des pauvres. Nous qui devions nous marier, on fait de nous des célibataires. Nous allons détruire cet édifice spirituel qui est l'édifice de la transformation. Demain matin, c'est un jour qu'il ne faut pas négliger. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le roi d'or. Si vous êtes d'accord avec moi, acclamez le roi des rois. Poussez des grands cris de joie pour le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Tous ceux qui ont des problèmes qui n'ont pas été évoqués, nous vous donnons rendez-vous dans ce programme où nous allons enseigner sur l'onction parentale. Vous allez voir que l'onction de Dieu est à mesure de te trouver des solutions là où les hommes n'ont pas trouvé. C'est un grand programme où nous nous occuperons exclusivement des malades. Aujourd'hui, on n'a pas assez de temps. Mais ce que je sais, ta vie a été impactée positivement. Ce que je sais, tu vas sortir de cette salle. Déjà à partir d'aujourd'hui, cette nuit-là, tu vas voir des signes de ta délivrance. Il y a de nouvelles portes qui vont s'ouvrir dans ta vie. Maman là-bas, viens. En foulard là, ouais, mauve là, viens. Tu pleures beaucoup. Mais le Seigneur veut te secourir maintenant. Ne pleure plus. Change ton regard sur ta personne. Lève tes mains et je vais prier pour toi.
kozela lisusu te ngawa makasi nyonso esili papa si pe minyoko eleki nandimi papa yo ndelonga nanga. Qu'on ne parle plus de déception, qu'on ne parle plus d'échec, que toutes les portes qui ont été fermées dans ta vie s'ouvrent d'elles-mêmes. Que toute limitation soit repoussée et laisse la place à la victoire. Je te communique la vie et je suis tes larmes et je te communique la joie. À partir de ce moment, réjouis-toi comme tu l'as jamais fait. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamez le roi des rois. Nous allons nous lever. Il est 20h passé. C'était difficile de gérer tout ce temps, mais on a pu quand même faire. J'aimerais qu'on lève nos mains et on va faire la prière de clôture. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Nous t'élévons. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu, nous te disons merci. Merci pour ces séances de délivrance. Pour cette libération. Merci pour ton onction disponible pour chacun de nous en ce jour. Merci Éternel pour ce que tu as opéré. Merci pour ce que nos yeux ont vu. Et merci également pour ce que nos yeux n'ont pas vu. Nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci pour la victoire sur l'emprise de l'esclavage. Nous te recommandons ton peuple, que chacun soit recouvert par ton sang. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, et tout l'univers le vénère. Shut up.